Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Je vous conseille, lors de l'écoute de cette vidéo, de vous équiper d'un casque pour une meilleure attention de l'écoute en 3D. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc une petite dédicace car un remaniement total, complet de la chaîne qui part de la bannière à l'intro, à la fin des vidéos, entre les vidéos, tout a été remanié à neuf au goût du jour grâce à un abonné du nom de Jason Janin. Jason, je tiens vraiment à te remercier pour ce travail que tu as fait, c'est énorme, tu as redonné la jeunesse à ma chaîne et je tiens dans cette vidéo à te remercier énormément. Jason, donc Janin, dit Earthland, qui va dans les prochains mois certainement ouvrir sa chaîne et je mettrai, quand il aura ouvert sa chaîne, sans problème, le lien de sa chaîne. Merci encore à toi Jason. Aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être de voir ensemble comment s'immerger dans un jeu sans image. Sous Android, vous allez vous apercevoir quand vous allez télécharger, installer ce jeu, il faudra que vous équipez d'un casque. Vous allez vous immerger dans un monde complètement à part, le monde de A Blind Legend. A Blind Legend, un jeu pour les aveugles, un jeu pour les personnes malvoyantes, et pourquoi pas votre jeu à vous, aux personnes aussi voyantes. Testez ce jeu avec un casque, immergez-vous dans le son 3D. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé aussi bien sous Android que sous iOS, puisque ce jeu est compatible sur les deux plateformes. On part tout de suite donc sur le Play Store et vous allez marquer A Blind Legend. A-B-L-I-N-D, plus loin L-E-G-E-N-D. Une fois téléchargé, vous allez donc dans votre dossier application. Ici, on va y aller sur notre Galaxy S8. C'est parti. Écran application, page 1 sur 6. Aujourd'hui, cette vidéo, on va la commencer avec A Blind Legend. Lorsqu'on ouvre pour la première fois le jeu, voici ce qui vous arrive. A Blind Legend. Autorisez l'application A Blind Legend à accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil. Autoriser touche. A Blind Legend. A Blind Legend est un jeu audio. Veillez à mettre votre casque dans le bon sens. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. Préparation en cours 3 points. Lors donc du premier démarrage, je vous conseille d'être connecté en Wi-Fi car le jeu doit télécharger un gros paquet. Donc pensez bien à être connecté à votre Wi-Fi. Je vous conseille aussi donc de désactiver vos lecteurs d'écran. Vous devriez entendre cette voix à gauche. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. Français. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour choisir cette langue. Faites glisser rapidement. Domino. France Culture. Avec le soutien de le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, la Région Rhône-Alpes, Humanis et Imaginov. Présente A Blind Legend. Chargement en cours. Bienvenue dans A Blind Legend. Pour sélectionner un élément, tapez deux fois rapidement sur l'écran. Faites glisser votre doigt vers le haut pour retourner aux éléments précédents. Pour revenir au menu principal depuis le jeu, glissez rapidement deux doigts vers la droite. Vous ne pouvez pas revenir au menu principal pendant les combats. Menu principal, nouvelle partie. Voilà, A Blind Legend est un jeu connu aussi des personnes voyantes, mais là, vous allez vous la jouer en aveugle, un écran noir, en immersion totale, en son 3D, et franchement, ça vaut vraiment le détour de tester ce jeu. Que vous soyez déficient visuel ou pas, testez-le. Et vraiment, vous allez apprécier le son 3D de ce jeu. Il faut absolument désactiver
vos synthèses vocales puisqu'il a son propre lecteur d'écran et vous pouvez jouer directement, instantanément avec sa synthèse vocale de haute qualité. En plus donc de jouer en 3D, vous jouez avec une certaine gestuelle. Choisissez votre mode de difficulté. Mode normal. Chargement en cours. Vous incarnez Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle, et vous serez guidé par votre fille Louise. Pour avancer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le haut. Vous continuerez à avancer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. Parfait. Vous avez compris comment avancer. Vous pouvez faire varier la vitesse de déplacement en glissant votre doigt plus ou moins loin. À vous de jouer. Pour reculer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le bas. Vous continuerez de reculer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. Parfait. Vous avez compris comment reculer. Pour tourner sur vous-même, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le à droite ou à gauche tout en le maintenant sur l'écran. Vous continuerez à tourner tant que vous maintenez votre doigt sur l'écran. C'est à vous. C'est ça. En tournant ainsi, vous pouvez vous orienter en fonction des sons que vous entendez, et ainsi, changer de direction pendant vos déplacements. À chaque fois que vous aurez besoin, que Louise vous indique comment la rejoindre, tapez une fois sur l'écran. À vous de jouer. Jouer. Par ici. C'est tout droit. C'est vrai. À chaque fois que vous rejoignez votre fille, elle vous l'indiquera et partira vers votre prochaine destination. C'est à vous. Venez, père. Allons rejoindre maman sur la place du village. Par ici. Lorsque vous entendez ce son, une scène importante va se dérouler. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est ? Une scène de miroir ! Attrapez-la ! Je suis pas assez... Caroline ! Maman ! Où est la femme ? Chère elle ! Pitié ! Au nom du roi Torque, par où je t'ai trip ! J'en prie, je me... Fouillez le village ! Trouvez Blake ! Seigneur Blake ! Il vous cherche. Ne restez pas là, il faut vous cacher. Demoiselle Louise, emmenez votre père jusqu'à la basse cour. Ils sont beaucoup trop nombreux, père. Venez. Lorsque vous entendez ce son, c'est à vous de jouer. On y va. Voilà donc à vous de jouer au chevalier aveugle. À vous de parcourir cette aventure en aveugle, à vous de parcourir et de gagner tous les challenges de A Blind Legend. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'espère aussi que toutes les nouvelles intros, tous les nouveaux logos, la nouvelle bannière vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et place à l'intro de fin de la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !